sorte marché. Damien Robin, à 10 jours du premier tour des législatives, les politiques tentent de convaincre les électeurs. Et ce matin, on s'intéresse à la deuxième circonscription de Lyon, celle d'Avallon-Tonnerre. Hier, Philippe Vessière, le candidat du Nouveau Front Populaire, était sur le marché de Noyères-sur-Serein. Son mot d'ordre, inciter les gens à aller voter pour le bien de la démocratie. Le Rassemblement National, tel qu'il s'appelle maintenant, est au bord du pouvoir, on peut le considérer. Ça fait plusieurs décennies déjà qu'on sent leur montée poindre. Je pense que la situation aujourd'hui est telle qu'il faille vraiment prendre des mesures radicales, quoi. Il faut vraiment s'engager dans cette campagne et il faut que les gens aillent voter. D'autant plus qu'on est vraiment dans un territoire qui, durant la dernière guerre, était une espèce de bastion de la résistance, enfin, entre le Morvan, la forêt d'Othe, la Roche-Migène, qui était un centre ferroviaire important, enfin, vraiment les maquis ont une place incroyable. Je pense qu'il y a vraiment une culture de résistance dans cette circo. Voilà Philippe Bessière qui sera en gare de Migène à partir de 18h pour... Distribution de tracts, porte-à-porte, marché. À 10 jours du premier tour des législatives, les politiques tentent de convaincre les électeurs. Et hier, c'est Philippe Vessière, le candidat du Nouveau Front Populaire dans la deuxième circonscription de Lyon, celle d'Avallon-Tonnerre, qui était sur le marché de Noyères-sur-Serein. Son mot d'ordre, inciter les gens à aller voter pour le bien de la démocratie. Josiane habite à Noyères, elle votera pour le Nouveau Front Populaire. Pour elle, il n'y a pas d'autres options. Moi, je suis bourguignonne d'origine multiple, avec un grand-père juif polonais, des parents qui viennent du nord de la France pour une partie, un grand-oncle qui a fait partie des Justes parce qu'il était médecin et qu'il a sauvé pas mal de familles. Ça me paraîtrait triste qu'on renonce en France à des valeurs d'humanisme qui ont porté la France depuis tant d'années. Voilà. Philippe Vessière était au marché donc de Noyères hier matin. Il sera en gare de Migène à partir de 18h pour aller à la rencontre des électeurs. Il était blessé. Les candidats du Nouveau Front Populaire dans Lyon investissent les marchés. À chacun sa stratégie. Certains candidats multiplient les réunions publiques, d'autres arpentent les halles pour aller à la rencontre des électeurs. C'est comme ça que la gauche mène sa campagne dans la première circonscription, avec 7 marchés parcourus en 15 jours. C'est aussi le choix de Philippe Vessière, candidat LFI de la deuxième circonscription, celle d'Avallon-Tonnerre. Le maire d'Aquin était hier sur le marché de Noyères, Chloé Geoffroy. Organisation millimétrée pour l'équipe de campagne de Philippe Vessière. Tout le monde se répartit les tracts et les allées du marché. Mais c'est lui qui est candidat. Oui, mais c'est lui. Regardez ça, on va retrouver. Être au maximum sur les marchés entre les étals, c'est la stratégie du candidat du Nouveau Front Populaire. Quand les gens veulent voir leur candidat, discuter avec lui. Rencontrer des gens avec un objectif bien précis. Stopper la montée du RN surtout. Sur notre territoire qui est quand même essentiellement rural. Et donc c'est vrai que les gens ont une certaine tendance à se laisser porter par des arguments plutôt simplistes et faciles. Pour Josiane, en tout cas, qui habite Noyères, pas de doute, elle votera pour l'Union des Gauches. Pour tout un tas de raisons, hein, la justice sociale, l'écologie, l'avenir de nos enfants. J'espère qu'on aura une belle journée, un beau vote et un beau demain. Le choix est un peu moins évident pour Myriam, qui ne sait plus où donner de la tête depuis le début de cette campagne, pas vraiment comme les autres. Je suis un peu perdue parce qu'on n'a pas envie de voter quand même des extrêmes. Et là, le nouveau, ça a l'air d'être bien. Enfin, j'en sais rien. Il reste encore quelques jours pour se décider. En attendant, Philippe Vessière, lui, continue le tour des villages avec ses militants. Certains d'entre eux font d'ailleurs du covoiturage dans la deuxième circonscription de Lyon qui compte plus de 200 communes. Chloé Geffroy pour France Bleu Auxerre.